Bonjour à tous, cette vidéo est une rediffusion d'un stream que j'ai retravaillé pour vous. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, je suis présent plusieurs fois par semaine et je présente une grande variété de jeux. Le lien est dans la description. Bonne vidéo. Il y en a un petit peu d'eau. Ah bon, on est à 12. Parce que j'ai peut-être un nouveau district, je sais pas. Non, c'est pas eux qui sont à 12, hein, c'est sûr. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. On va leur faire un entrepôt. Alors, les pauvres, ils vont jamais le construire, l'entrepôt. C'est qu'on va tout prendre. Qu'on s'en fout. On n'aura jamais assez de rondins. Bon, on a à manger, on a de l'eau, c'est déjà pas mal. Pour eux, c'est déjà pas mal, je trouve. On va leur faire 4 habitations quand même. Je vais les faire où les habitations? Je vais les faire là-bas derrière. Si c'est eux qui me le construisent, ça me va, hein. Oh, il est incroyable ce bouclier que j'ai eu là dans la chevalier de feu. Allez, il manque 3 digas à construire, les gars, vous pouvez les faire. Ils sont plus que 6, hein. Dans ce district-là, il est tout seul. Il est tout seul, le type. On va renvoyer du monde. En fait, ils sont morts de vieillesse, ces couillons. On va envoyer 5 adultes. Vous voyez, à 1,5, ici c'est suffisant. Ça va permettre d'irriguer tout ça là. Avouez, c'est beau. Je vais même faire mes stations de pompage pour cette ville ici maintenant.
Et si je passe ça comme ça, on risque de déborder et d'avoir tout ça qui déborde. Donc vous ne voulez pas le faire. C'est en train de se remplir petit à petit. Trop fort. Bon, ces plantes vont mourir, mais on s'en fout un peu, non? Complètement. Et là, vous voyez, on a de l'irrigation du coup. Bon, par contre, ici, eux, ils sont malheureux hein, parce qu'ils ont un peine d'eau, ils ont pas grand-chose, hein. Mais ils ont ce qu'il faut, quoi. Ils ont 100 planches, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont vraiment tout ce qu'il faut. Oh, la digue. Oh, comment c'est bancal, mon histoire. Ah, comment c'est bancal, mon histoire. Ah, comment c'est bancal, mon histoire. Comment c'est vraiment bancal, mon histoire! Ah, les gars, plus bancal que ça, on meurt, hein. Mao? Ouais, Maou. Je vais remplacer ces trois-là par des barrages, je pense, comme ça j'aurai plus à gérer les digues. Mais si ça va, ils ont suffisamment mangé là maintenant. On va pouvoir faire quelque chose, quoi. Salut Meruem, ça va bien et toi? Je viens de faire le truc le plus bancal du monde, Meruem. Voilà, ça, on est sur Timberborn, si tu connais hein, un petit peu, c'est le jeu avec les castors, tout ça, toi-même tu sais, etc., etc., d'accord? Et j'ai eu l'idée complètement saugrenue, hein, tu me diras, hein. Ouais, à bientôt les 500 follow. On est à 497. On en a perdu un ce soir. Ah, j'ai eu l'idée qu'on en saugrenue hein, de faire une grande digue comme ça. Pour stocker l'eau. En fait, le jeu, si tu veux, t'as une rivière ici, de base, d'accord? Et tous les 15 jours, à peu près, t'as un cycle sec. T'as une sécheresse qui s'allonge dans la durée. Et du coup, le but du jeu pour toi, bah, c'est de survivre le plus longtemps possible. Sauf que je crois que j'ai réussi à casser le jeu, en fait. J'ai découvert les digues et les écluses. Ah, les écluses comme ça, là. Ce qui fait que, bah, du coup, je peux stocker une eau, une masse d'eau absolument colossale. Mais, du coup, parce que moi, je voulais aller exploiter le fer ici, parce que je me dis, le fer, là, ça a l'air sympa, le ferraille, là-bas. Sauf que je savais pas trop comment faire. Et du coup, je me suis dit, ben bah, ouais, mais là-bas, c'est tout sec, etc., etc., il n'y a pas d'eau de base, hein. Et donc, du coup, bah, il faut aller exploiter cette eau. Et cette zone, et comment faire quand on n'a pas d'eau à côté? Parce que ben forcément, voilà, je savais pas bien comment fonctionnait encore les deuxièmes districts et compagnie. Ben, je me suis dit, ben, ça va être simple, on va faire en sorte ben, de pouvoir avoir de l'eau ici. Et donc, en irriguant et en inondant une grosse partie de la vallée. Donc, j'ai inondé une grosse partie de la vallée, vois-tu? Ce qui m'amuse beaucoup. Je t'avoue clairement, ça m'amuse beaucoup. Mais je sais pas si c'est vraiment une bonne idée. Parce que si jamais ce truc-là, il lâche, ou si jamais j'oublie de fermer ou d'ouvrir ce truc-là, j'inonde absolument tout. Et je risque de tout perdre. Ce qui, à titre personnel, m'amuse énormément. Du coup, je vais me mettre des garde-fous, je vais mettre des petits barrages à droite à gauche, afin de pouvoir bien... compenser l'eau qui serait capable d'arriver, parce que du coup, tu vois, tout ce que j'ai construit là, mettons, c'est sous l'eau maintenant, afin de ben, voir venir, quoi, tu vois. Ce qui peut être bien, quelque part. Et du coup, c'est en train de beaucoup m'amuser.
C'est vraiment en train de beaucoup, beaucoup, beaucoup m'amuser. Mais vraiment beaucoup, beaucoup. Pour tout te dire. Parce que ce qui est trop bien là maintenant, c'est qu'en faisant ça, vois-tu, je vais pouvoir avoir une zone ici d'extraction d'eau pour cette colonie-là. Ce qui fait qu'elle sera autosuffisante en flotte. Et ça, c'est super fort. Parce que la flotte dans ce jeu, c'est la vie. Purement et simplement. Et je me dis même que je pourrais monter encore un étage plus haut, tu vois, dans ma connerie. Juste en bouchant ici, en faisant une deuxième rangée, en mettant ici des blocs, tu vois, afin d'avoir encore plus d'eau ici, et ainsi pouvoir stocker masse de chez masse d'eau, parce qu'après, là, je pense pas qu'il y a moyen que ça m'emmerde l'eau ici. Non, ça pourra pas m'emmerder l'eau ici, en fait. Non, ça pourra pas m'emmerder l'eau ici. Ah, il y a la place pour une urine là. Ici aussi. Ouais, c'est clairement ça. L'eau, c'est la vie. Mais du coup, c'est. Vois-tu, ici, t'as ici quand ça va être en période sèche, tu vas arriver, on va arriver sur une période sèche. Hein. Là, je suis ultra surpris que ça tienne, vois-tu? Je suis vraiment, vraiment, vraiment ultra, ultra surpris que ça tienne, d'accord? Mais vraiment, de toutes mes forces, je suis ultra surpris que ça tienne. Que ce soit clair. Lol, j'ai des enfants ici. Et là, du coup, dans mon district principal, étant donné que j'ai construit des trucs, des machins, des bidules, je manque de main-d'œuvre. C'est la première fois que je manque de main-d'œuvre depuis 48 000 ans, si tu veux. Et moi, je sais pas où la mettre, la main-d'œuvre, là, maintenant. Je sais pas où les construire, les maisons. Parce que ce district, je le considère comme quasiment terminé, quoi, tu vois. Mais je pense que je vais rajouter des maisons ici, là. Je vais essayer de faire une autre zone. Je vais leur faire quelques habitations. Oh la hutte triple. Ah, je peux les coller aux éoliennes ces trucs-là, tiens. Ah, c'est marrant ça. Intéressant. Bah écoute, merci d'être passé, Myriam. Ça fait grandement plaisir de te revoir parce que ça fait longtemps que je t'avais pas vu à toi quand même. Tu m'as un petit peu manqué, hein, je dois t'avouer. Je savais pas où t'étais passé. Donc n'hésite pas à revenir, hein. Je live très très régulièrement actuellement. Donc vraiment, n'hésite absolument pas. Et d'ailleurs, ça y est, on est en période de sécheresse pour 8 jours et quelques là. Tu vois, ici, ça a arrêté de couler du coup. Et du coup ici je vais pouvoir faire les pompes à eau. Je vais vraiment pouvoir faire 4 pompes à eau ici, sérieusement. Oh là là, je suis un génie. Parce que là ce que je fais c'est totalement du génie, c'est du jamais vu hein, dans l'histoire du jeu je pense. Je pense que personne n'a pensé à ça, faut être trop con pour penser à ça. Faut vraiment être trop idiot pour penser à ça. Je pense sincèrement. Du coup, ici, si j'ai besoin d'eau, vu la quantité d'eau que j'ai là-bas, je descends le truc, j'inonde un coup. Ah ouais, l'inondation, elle fait mal par contre. Hein. Oh.
Ah ouais, j'ai vraiment moyen d'inonder mon monde. Oh. Je vais même perdre de l'eau, tiens. Ah, l'eau, elle reste là, c'est marrant. Ah, c'est marrant, ça. L'eau, elle reste là, vu que là-bas, c'est inondé, elle reste là. Trop bien, elle me garde les arbres irrigués comme ça. Pas mal. Mais du coup, ici, le niveau, il a baissé. Bah ouais, forcément. Il n'y a plus personne ici ou quoi? Ah ouais, ils sont plus que 3 et 2. Il faut renvoyer du monde ici. Ils sont que 3 adultes à pouvoir travailler. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est que du coup, l'eau, je peux la mettre à la poubelle ici. Ils sont totalement autosuffisants. Par contre, en termes de nourriture, c'est pas encore ça. Je vais leur faire une petite ferme ici, je pense. Enfin, j'hésite encore à remonter d'un niveau tout l'attirail là. Ah, j'hésite vraiment à remonter tout l'attirail de niveau. Ah ouais, mais si je fais ça, ça inclut tellement de trucs. Ça inclut que forcément je vais avoir une inondation ici. Oh, je le fais quand même, je m'en fous. Eh, quoique, je sais pas encore. Ouais, mais ça serait tellement sécure d'avoir un niveau d'eau de stockage en plus. Un niveau de stockage d'eau en plus, ça ferait tellement l'affaire. Bon là c'est super bas l'eau, je vais faire baisser un petit peu. Oh putain, chaque fois j'envoie une rivière dans le truc. Chaque fois j'envoie un coup de rivière dans le truc, carrément, tu sais. Bon, ce qui est bien c'est qu'ils manqueront pas d'eau ici. Par contre, 2 adultes, 1 enfant, c'est plus assez là. Et ici, là, j'en ai combien? 73 adultes, on va en envoyer 10 là-bas. Ouais, ça sera mieux ici. Ça sera mieux. Je me demande si le temple peut être partagé. Je sais pas, je pense pas. Dommage. Je vais vous laisser pomper l'eau vite fait, les gars, mais après, faut que je vide la zone là.